à Los Angeles. Donc voilà, comme je vous en ai parlé, j'ai été invité par Activision pour l'E3, bien sûr. Donc voilà, évidemment, je suis très très content. Je vous l'avais dit dans une vidéo très récemment. Et vraiment, merci pour tous vos messages. Vraiment, ça fait chaud au cœur, comme je disais. Vraiment, c'est ma première fois à l'E3 et depuis tout petit, vraiment. Je regarde l'E3, je m'y intéresse. Enfin, avant, j'avais pas réellement internet, c'était par les magazines. Et depuis, je suis fasciné, vraiment. C'est le salon, je veux dire, c'est là où on va savoir les nouveautés, c'est là où il y a les conférences et c'est là qu'on va apprendre le futur du jeu vidéo. Donc c'est vraiment excellent. Donc du coup le programme, c'est qu'on va aller à Universal Studios. Donc vu qu'on va avec Sky, Karim et PG, et que tout le monde va un peu vlogger de son coin, moi comme vous l'avez vu au titre, je vais pas réellement faire un vlog de tout ça, mais plus une petite compile, voilà, parce que voilà, les autres vous auront montré quand même le principal. Et je pense, voilà, pour une chaîne comme moi qui est pas non plus aussi ouf, je pense que c'est quand même plus intéressant que je vous montre un petit zapping, ça sera quand même plus intéressant. Je vais pas vous montrer ce qu'on vous a déjà montré mille une fois. Bon, même s'il y aura à mon avis des petits trucs. Bref, je vais vous montrer vite fait la petite chambre. Un petit room tour, voilà, histoire de vous montrer. Franchement, j'aime bien l'hôtel, je vais vous montrer tout ça. Bon, là on a la salle de bain. Bon, je vous avoue, salle de bain. Choqué et déçu, mais ça va, franchement ça va, mais bon, on a connu mieux. Mais là où c'est intéressant, les gars, mais regardez-moi ça, enfin c'est juste magique. Alors là, vous avez pu voir, bon, je me suis quand même un peu installé, mais voilà, putain, mais putain, c'est tellement bien, les gars, regardez ça. Alors, à mon avis, ça va parler des murs. C'est vrai que les murs, c'est bizarre, mais c'est du faux. C'est vrai qu'à l'œil, on pourrait croire que c'est des vrais trous, mais non, c'est pas réellement des vrais trous. Mais franchement, pour bosser, tout ce qu'on va faire, c'est vraiment nickel. T'as le bureau là, je veux dire, putain, regarde la vue, mec, regarde la vue. Voilà, donc du coup, là, on a le petit lit, on a la petite télécommande ici pour gérer tout ça en face. Allez, vraiment, c'est juste trop, trop beau. Voilà, on a même un petit salon, hein, c'est sympathique comme tout. Du coup, d'abord, on va se retrouver, du coup, pour faire le défi que vous avez vu dans le titre avec Karim, Sky et PG. Voilà, on se retrouve, du coup, pour la petite dégustation assez rapide. Le premier qui finit son donut a gagné et a le droit de rejouer. Génial. C'est magnifique. C'est tout. C'est magnifique. Moi ce que j'aurais aimé, c'est dommage qu'il n'y en a pas une personne qui peut filmer rapidement la gueule de son donut. Parce que sincèrement, nous on a essayé de faire en sorte qu'il reste propre, beau, stylé. Lui, en fait, ça a mal tourné. Voilà, ça a très très mal tourné ce matin. Oh, le titre de la vidéo. Dégustation qui a mal tourné, explication. Je me suis réveillé un peu dans le coltard et du coup j'ai pas fait gaffe. Putain, franchement. Oh là 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 là. Et vrai, écoutez, non mais attends. Le truc est énorme, quoi, genre. Il est fat. Comme ben non. Attends, il est rien, rien. Voilà. Ça fait la tête à Saxy, quoi. Putain, c'est ouf. Bon, vous êtes prêts? Ouais, personnellement, je suis pas prêt. C'est le matin là, actuellement. Voilà. Donc, faut le savoir. 3, 2, 1, go. On a pas pris de serviette. Quoi? On a pas pris de serviette. Il est bon, hein? C'est consistant de ouf. Là, je t'avais dit. Tu sais comment il est chargé? Oh là là, mec, mais c'est hallucinant. Là, j'avais pas fait comme ça. Il est bien bon, hein? Ça va? Par contre, pour le coup, c'est vraiment très bon. Putain, par contre, pour avaler, mon pote. On va y prendre de l'eau, putain, trop con. Putain. Crève, connard, crève. C'est de l'eau. Hé, hey, j'arrive, regarde. Hé, hey, bâtard. Oh putain. Hé, hey, les gars. On est pas mignon. L'enfoiré. T'sais, j'ai trop voulu l'écraser sur la gueule. Je pensais la même chose. J'étais pour ça que j'ai gueulé. Je pensais la même chose. Ah non, c'est dommage, on peut pas faire un zoom sur sa gueule. Ça part en couille. Ouais, bah ça. Ah, ça touche. Non, pas les vêtements. My bad. Pas les vêtements. J'ai même pas vu regarder le retour comment je suis. Oh, putain. Il manque un peu de chocolat, non? Mais t'es con. Non. Bah ouais. Je déstabilise. Hein? Il manque un peu de chocolat, normalement. La vérité, il est bon. Non, mais c'est super bon, hein, mais le manger comme ça, c'est chaud. Hein. Franchement, pour le coup, il est...
T'as pas un peu de café? Quoi? Café. Café? Pourquoi tu parles de café? Tu me ferais pas un café? Non. Attends, attends, attends! Tentative de trick à gauche. Oh, bâtard! Oh, le bâtard! Hey! Voilà, c'est fini. Ça s'est parti un peu en couille, clairement. Mais franchement, ils étaient tellement bons qu'on va les manger. Parce que ouais, vraiment, ils sont très très consistants. Ouais, c'est sûr. Mais moi, personnellement, je vais le manger parce que c'est très très bon. Mais ouais, ouais, beaucoup c'est... trop trop gros. Mais la vérité, il était bon, mais là, tu vois, c'était quand même beaucoup. Mais je pense que cet après-midi, aux 4h avec un petit café après la sieste, ouais, ça m'a passé super ça bien. Ça m'a passé parfaitement. Très, très bien. Avec des petits poils de barbe sur le mien en plus. Non, j'ai enlevé les poils quand même. Bon, ouais. Ah, t'es gentil. Là, qui a gagné du coup? Moi, je dirais toi quand même. Enfin, de ce que j'ai vu vite fait, moi, je dirais toi. Moi, il me semble. Toi, non. Après, qui a gagné? Parce qu'il y a le, vrai vainqueur, on va dire moi. Mais il y a aussi celui qui était le plus... qu'on avait le plus sur la gueule. Ah bah, c'est... Ah bah, oui, bah, hey, là, c'est moi. Hein. Là, pour le coup, les gars, ils m'ont mais prank, c'est qu'il aime bien en prendre plein la gueule, c'est ouais, moi, c'est enfin... Les faciales, c'est son kiff. C'est ce que tu... C'était sympa, c'était un petit défi fun. On a fait ça vraiment tranquille. En tout cas, maintenant, vous allez avoir le petit vlog entre guillemets Universal Studios. Vous allez vraiment avoir des petits rushs comme ça avec une petite musique. Étant donné qu'ils ont déjà fait deux vidéos vlog. Tu t'es senti agressé ou pas quand je t'ai tapé? J'ai aimé. Ça, c'était aimé. Vraiment très agréable, quoi. Donc voilà. J'aime bien ta coupe de cheveux. Ouais. Mais elle est stylée, hein, elle est stylée. Hein. Ouais. Donc en tout cas, voilà, j'espère que vous avez kiffé. Avec du gel de donut. Oh non, il y a du donut dessus. Mais oui, mec, il y en a. Oh là là, mais putain, et quand on va manger le donut tout à l'heure, je pense qu'on va avoir des drôles de surprises en vrai. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura fait plaisir. Voilà, c'était le côté fun. Et voilà, c'est tout. Allez, salut, on se retrouve tout de suite. Ouais, tranquille. Putain, c'est sa vidéo. Par contre, tu pourras enlever ton doigt de mon cul, s'il te plaît. Ryan Little. 'Swag tout ça, là c'est juste magnifique d'être là et tu dis de l'autre côté on est à Universal Studios, c'est vraiment un truc de dingue quoi. Vraiment c'est les gars c'est magnifique.